Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce Last Written Rower de 2019 pour la suite de la fresque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin de ce Last Story d'un Drawer de 2019 sur la suite de la fresque avec un nouveau personnage et ce personnage se nomme Marie Flo. Alors, pourquoi je l'appelais comme ça, je ne sais pas. Sachant qu'après, plus tard, j'ai changé le nom, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes et même la précédente fresque qui avait été faite. Et après, j'avais changé les noms. Et donc, comme vous pouvez le voir, bah, c'est une plante piranha. Hein, un peu comme la plante piranha de Mario. Sauf que, comme vous pouvez le voir, elle a plusieurs. Au lieu d'être dans un, comment dire, dans un tuyau, bah, celle-ci, elle a des tentacules qui lui permettent de bouger. Voilà, oui, parce que elle peut se planter avec ses tentacules qui sont ses racines, bien sûr, mais en même temps, eh bien, elle peut se permettre de sortir de terre et de se mouvoir pour aller dans d'autres lieux. Hein, si par exemple, y a un lieu qui ne lui permet plus de se nourrir, elle va se nourrir ailleurs. Voilà, donc. S'il n'y a plus d'eau, si elle a pompé toute l'eau, elle va sur une autre zone d'eau. Voilà, donc où il y a de l'eau, où c'est humide, où la terre est humide. Donc voilà pour ce petit personnage. Donc là, toujours, hein, la fresque se fait petit à petit. Voilà, là, on est déjà au quatrième personnage. Il y a encore pas. On peut pas encore assez contextualiser le truc, mais ça va venir petit à petit. Et vous allez avoir quelque chose d'intéressant. Après, peut-être, on pourra dire ce qui se passe. Hein, généralement, comme le précédent, c'est toujours peut-être direct. Au sujet où ça tourne autour peut-être du personnage, premier qui a été fait, ou peut-être ça se fera sur plusieurs groupes de personnages, hein. Qui sait, on verra ça et bien aux prochains épisodes qui arriveront par la suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à faire ce qui apparaît à l'écran, hein. Pouce levé, vous abonner. Voilà, ça aide tout ça. Tout le monde vous le rabâche sur toutes les chaînes YouTube. C'est normal, c'est pour. Si vous êtes intéressé au truc, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, vous pouvez le faire. Hein, comme ça, vous pouvez aider la chaîne.
un moment, on le rabâche, voilà, pour les nouveaux venus. Je sais que c'est sur toutes les vidéos, mais généralement, c'est toujours s'il y a une nouvelle personne qui arrive, on peut faire ça, et qui sait pas trop, voilà, c'est toujours pour le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à vous abonner aux divers réseaux sociaux. Pourquoi faire? Bah, même pareil, pour en savoir un peu plus sur la salle, tout le monde est j'en prends, aider celle-ci, pour qu'elle ait une meilleure visibilité, parce que comme ça, vous pouvez poster, ou retweeter, ou partager, selon votre préférence de réseaux sociaux, les différents poste de celle-ci, et donc aider à ce que les gens viennent et donnent leur avis, leurs critiques, posent leurs questions, et donc voilà, et je préfère prévenir, mais tout commentaire insultant, ils seront supprimés, je les regarde même pas, ils sont supprimés direct, et les seuls commentaires par contre négatifs que je garde, c'est ceux qui sont des critiques négatives, qui permettent bien sûr à l'amélioration de la chaîne, voilà, donc ça... Toute personne qui fera ça, qui aide, qui encourage, qui pose des questions, qui aide à l'amélioration, qui critique même négativement pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben ça, vous serez beaucoup remercié. Comme je vous remercie de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous!